la harpe buissonnière. C'est un projet qui est né pendant le confinement pour ne pas dépendre des organisateurs, des lieux de concert qui étaient pendant des mois fermés. Alors avec cette formule-là, on est vraiment indépendant et ça me fait beaucoup de plaisir de voyager avec ce projet itinérant, avec cette petite remarque. Un de mes ancêtres qui a joué aussi de la harpe, il était peintre aussi. Alors quelque part, j'ai ça en moi de jouer de la musique avec la harpe et de peindre. Une chose très importante dans ce projet, c'est que c'est fort lié à la nature. Ça me touche beaucoup, cette atmosphère, cette ambiance entre été et automne, ces parfums dans l'air. Ça m'inspire beaucoup pour ma création. Et ce projet est particulièrement lié à cette source d'inspiration. Et en plus, comme c'est un projet né pendant le confinement, où il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de la nature, parce que la nature, c'est quand même une constante dans notre vie. J'ai eu une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui a eu une troupe de théâtre itinérante. Et quelque part, sans qu'on le veut ou le décide consciemment, on suit quand même les traces des ancêtres, c'est fou ça. Parce qu'avec ça, et en plus j'ai dédié ce projet à ma grand-mère paternelle, à Barbara Kern. Je chante dans 5 langues et chaque langue a vraiment sa propre touche, son propre timbre, sa propre ambiance et je trouve ça vraiment fascinant. Et ce sont des textes de beaucoup d'autres poètes internationaux, mais j'écris aussi beaucoup moi-même. Merci. Jean-François Prince à la guitare. Gauthier Lizin à la percussion. Maria Palatine. Merci beaucoup.